roll our wheels, don't I roll on Mac. Je suis d'accord. Regardo, you can see what we will find. Comment ça va ça, là? C'est le premier, ça, là? Oh, man, ouais. I'm running. Il faut qu'il y ait cave. Always good. To be in the cave. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in so far, is there a clip sur le bienfait du hasard? Genre quoi? Fort qu'on sait pas ce qui nous attend. C'est vrai en plus. Oui, parce qu'on est allé à Boston, ça n'a pas marché. Non. C'était plate, on a pensé pas fait d'amis. Mais c'était plate, on a eu du fun. Non, on a eu du fun, mais on s'est pas fait d'amis. Fait que là, on redouble de courage. Puis on part à Québec encore une fois sur un coup de tête. Parce qu'on veut prouver aux gens que. C'est possible de se faire des amis. On va faire une petite explication. T'es-tu prêt? Ouais. En ce moment, il y a deux pousseux qui s'en viennent. On les a spotés un peu dernière minute. J'ai fait une manœuvre qui a failli nous falloir un accident pour les embarquer. Ils s'en vont à Tadoussac, je pense. Ils ont bien du stock. On les a un peu pris au dépourvu. Mais ils s'en viennent, là. Tiens, regarde, tu peux les filmer. Jay va les accueillir. Parce qu'étant donné que moi et Jay, on a fait du pouce dans notre vie, ben on s'est dit qu'il faut la rendre. Il faut rendre l'appareil. Puis là, ben c'est à nous de faire le lift. Mais, ça vous dérange pas d'être filmé? Ouais, c'est pour un documentaire étudiant. Ah ouais. Quoi qu'on fait? Ça, on viendra pas. Bon, non, on est on s'est fait des chums jusqu'à B5. Yeah. C'est un français de Caen, genre en Normandie, genre. Puis il avait fait le tour du monde en 5 ans, en stop. Ah ouais. Il a fait bateau stop, avion stop. Génial. Moi, j'ai fait avion stop au Labrador. Tu sais, j'avais prévu un gros itinéraire qui partait de Bécamo, qui montait sur le pouce. Jusqu'à. Il y a Fermont, ensuite t'arrives au Labrador, il y a Goose Bay, ouais. Puis là tu descends par la côte du Labrador jusqu'à Blanc-Sablon. Puis de là, il fallait prendre un circuit de motoneige parce qu'il n'y a pas de route qui se rend jusqu'à mon village. C'est un truc de pas d'allure, j'avais plus d'argent, j'avais plus, zéro cent dans mes poches. Je négociais avec les hôtels pour dormir. Finalement, un matin, j'étais sur la route, j'étais comme, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est clair! Il y a un pick-up qui s'arrête, le gars, il me dit, where are you going? Puis je raconte mon affaire, puis il m'embarque dans son avion. J'ai pris deux avions le même jour. Malade, c'était la première fois que je prenais l'avion. En fait. C'est fou, hein! Ça veut dire que ça marche, c'est juste que ça. Dans le temps, tu sais, je suis pas allé à l'aéroport. Non, c'est ça. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. Gang. Tu sais, quand on a fait un tournage pour la websérie, on est parti 2 semaines avec genre, on avait une roulotte, genre empruntée d'une maman. Mais genre, on avait quand même une roulotte, puis on partait en tournage, puis on se promenait genre dans le Québec à tourner pour faire notre set. 2 semaines non-stop, là, c'était quand même. Tu sais, t'avais ta gang, donc t'es comme une crew, mettons, de 15 à 20 personnes, puis tu restes ensemble 2 semaines pour faire ton film, puis ça, c'était malade. Ça, je trouve ça cool. Mais tu vois, je prends quand même le pari que c'est de la bullshit, ce qu'ils me disent à l'école, puis qu'au final, ce qui va triompher, c'est ceux qui ont vraiment une démarche authentique. Ben. Moi, je prends ce pari-là, puis je pense que. Si tes motivations sont pas sincères, ça finit quand même par ça finit que tu vas finir dans quelque chose de pas sincère. C'est une drôle de vibe, socialement. Le monde de théâtre? Ouais. Genre d'accord. Tout le monde a trop de masques? Ben c'est pas... Parce que individuellement, il y a plein de... Tu sais, comme toi, tu veux faire du théâtre, t'es pas un fou, moi non plus. Il y a plein de monde qui veut... Il y a plein de monde cool. J'avais un peu un mythe de genre, c'est un peu artisto, ils ont tous des foulards, puis ils font des nuits de la poésie. Puis, à la limite, je me disais, c'est cool, je vais vivre la vibe, puis ça me dérange même pas. Là, c'est comment finalement? Ben c'est justement pas ça, il y a quelque chose de très genre. Y a pas, c'est pas ouvert d'esprit comme je l'aurais pensé. T'sais. Dans le sens de comme une liberté de création, là, genre on lance des idées, c'est comme il y a beaucoup de jugements à l'intérieur de beaucoup de petits clics et de petits. Alors que moi j'aurais pensé que c'est genre une espèce de free world, là, tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde est ami, mais. C'est vrai que ça serait plus ouvert que ça.
Ben, je crois que ça fait plus. Moi, j'avais un peu l'image de genre une troupe de saltimbanque qui a fait vue de pauvreté, qui s'en calisse, puis qui est là, puis qui vit un peu la bohème, genre, puis qui est comme que tout ce qu'ils veulent, c'est explorer l'art, puis baiser. C'était pas ça pendant tout. C'était juste baiser. C'est comme une vibe de plein de gens tout seuls qui se mettent en gang de façon semi-uniforme. Mais c'est pour ça que ce qui me passionne dans le théâtre, c'est le jeu. C'est la partie où t'es tout seul. Ouais. Dans la peau d'un personnage. C'est pas ça. Quand t'as affaire du social. C'est moins communautaire que ce que tu pensais. C'est beaucoup moins plaisant. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, si je dis ça, je suis sûr que moi, c'est vaste, il y a moyen de trouver sa vague. En cinéma, le seul moment où j'ai senti qu'il y avait une communauté, c'était quand on a fait le tournage. Parce que sinon, en cours de cinéma, j'avais juste le feeling, la première session, là, j'avais juste le feeling qu'on était une gang. Free for all. Des fucking hipster snob. Je pense, je crée, je suis meilleur. Tout le monde, c'est des cons, le monde est peuplé d'imbéciles. Moi, je comprends la vie, je vais faire un film. Ça s'adresse à vous, ça. Gens qui écouteront ce film. C'est tout à vous. Si on est vous voir. Non, hein. Non, je pense que vous êtes correct, là. Ouais. Et la nationale, ça vous va. Vous êtes dans le marde. Ouais, mon cher. Ciao, Mister. À la prochaine. Gros vidéo sale. Ouais. Je vais mettre une toune pop en arrière.